Yo les gens, ici Rafizia1650, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Fighter Z. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo opening de Capsule Z. Donc j'ai engrangé quelques zéniths depuis le début de la semaine, donc vous savez que je vous ai fait une vidéo dimanche dernier, donc là on est vendredi soir, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo avec ce que j'ai récupéré comme zénith. Donc je suis à 163 000, plus de 163 000, donc ça fait à peu près 160 Z. Capsule que je vais pouvoir vous ouvrir, donc c'est parti, on y va, on va y aller par 10. Donc c'est parti, hop, on y va, acheter des capsules, on va en acheter 10 directement. Donc ça fait 16 packs à chaque fois. Ça va faire 16 packs, on va dire. Donc c'est parti. Là, pour l'espoir que j'ai eu de la chance, je vais avoir des personnages inédits. Donc est-ce que j'ai eu des persos? Normalement oui, j'ai dû avoir des persos là du coup. Donc titre fusion ultime, ok, carte de guerrier, couleur de perso. Pièce Z Premium, personnage du hall Piccolo Cap couleur 8, couleur perso Hit couleur 11, ok. Personnage du hall Sangohan adulte couleur 7 et perso hall Jess 3. Donc on va aller voir ce que je vais avoir, hein. On va aller voir à la fin quand j'aurai tout récupéré. Donc moi je vous dis juste à peu près que les persos après, tout ce qui est titre on s'en fout on va dire. Donc là, ah, j'ai peut-être eu un inédit. Donc, pièce Z, donc personnage du hall Vegeta Super Saiyan Blue. Ah, ça peut être pas mal ça. Guy Whis, donc la tenue de Guy de Whis. Après, personnage du hall Blue couleur 9, ok. Couleur perso Tenshin couleur 7, donc ça c'est dans le jeu. C'est quand vous choisissez votre personnage. Personnage du hall Beerus couleur 5. Donc là j'ai eu un 4 étoiles, donc c'est un rare on va dire. Donc c'est parti, on continue. Donc personnage du hall, Cell parfait couleur 5, personnage du hall, Chezu couleur 8, Vignette Z, personnage du hall, Great Saiyan, ah la couleur 4, ça peut être pas mal ça aussi. Donc c'est pas mal, donc on continue, hop, on ira voir à la fin. Hop, j'ai pas eu d'inédit, je pense pas, ah peut-être. Personnage du hall, Majin Vegeta couleur 4, donc Majin Vegeta je l'avais déjà. Personnage du hall, Gudo couleur 12, personnage du hall Sangohan Ado Super Saiyan 2 couleur 8 et couleur personnage Freezer couleur 10. Donc je sais pas en tout il y a combien on peut avoir si on est limité ou pas, s'il y a un... si après ou vraiment vous en goûtez plus, je veux dire. Donc c'est parti, on continue. Ah, je viens de le dire encore. Perso du hall Gotenks Super Saiyan 3 couleur 12, personnage du hall Bou enfant couleur 9, personnage du hall Sangohan adulte couleur 8. Personnage du hall, Trunk T-shirt couleur 1. Couleur perso couleur 9 de Tenshihan. Personnage du hall, Beerus couleur 4. Personnage du hall, C17 couleur 9. Personnage du hall, Burter couleur 9. Donc j'ai pas eu d'inédit. Hop. On continue. Je me dépêche. Personnage du hall, Bou enfant couleur 7. Donc Z Premium, donc ça je vais l'utiliser après. Couleur perso couleur Piccolo couleur 12, couleur perso Hit couleur 12, personnage du hall Trunk Super Saiyan couleur 9, personnage du hall n'a pas couleur 3. Donc on continue. Hein. Ouais, on va pas trop que la vidéo dure trop long plan. Donc j'ai 27 Z Premium du coup. Non, j'ai pas eu de personnage inédit. Donc personnage du hall Chezu couleur 4, couleur perso n'a pas couleur 7, personnage du hall Guldo couleur 8, 3, personnage du hall Cell Parfait couleur 1, donc je sais pas c'est quoi, on va voir. Personnage du hall Burter couleur 2, personnage du hall Krillin couleur 6 et 2 pièces Z Premium. Donc je vous dis vraiment le plus important qu'il y a à chaque pack. Donc c'est parti. Donc j'ai eu un inédit je pense là. Non. Alors personnage du hall Freezer Forme Finale couleur 9, personnage du hall Son Goku Super Saiyan 3 couleur 1, personnage du hall C18 couleur 12. Couleur perso, Sangoku Super Saiyan couleur 11. Et j'ai eu 4 pièces Z Premium, donc c'est pas mal. Donc on continue, il me reste plus que 7 packs à vous ouvrir. À peu près. Qu'est-ce que j'ai eu du coup? Donc, couleur perso, Sangohan adulte couleur 7. Personnage du hall, couleur Krillin couleur 3. Personnage du hall, Beerus couleur 11. Couleur perso, Bou enfant couleur 9. Et 2 pièces Z Premium, donc on continue.
Alors, continue. C'est assez long, mais bon, moi, ça vaut le coup. Ça vous fait vraiment une vidéo vraiment d'opening vraiment exceptionnelle. Hein. Couleur perso Yamcha couleur 9. Perso du hall Tenshi Han couleur 12. Perso du hall Yamcha couleur 5. Couleur perso C18 couleur 7. Personnage du hall Bou enfant couleur 4. Et deux pièces Z Premium. On continue. Allez, on continue. Hop, là j'ai eu un rare. Franchement, tout ce qui est heure, je crois que c'est des rares quand vous avez des heures. Personnage du hall Sangoku Super Saiyan 3 couleur 7. Donc c'est à peu près un rare, on va dire. Personnage du hall Vegeta Super Saiyan couleur 2. Personnage du hall C16 couleur 2. Donc je sais même pas si je l'avais C16. Couleur perso Sangoku Super Saiyan couleur 9. Personnage du hall Rekum couleur 1. Et deux pièces de premium. Donc on continue. Ça continue, il va te voir tout. Étant donné que j'ai pas encore fini le mode histoire, en plus le dernier mode arc de mode histoire, du coup je vais avoir encore plus de ennemis à la fin de l'histoire. Donc couleur perso Krillin couleur 9, donc titre police, ok. Personnage du hall Golden Freezer couleur 9, personnage du hall Burter couleur 1, et 1, 2, 3, 4, 5 pièces Z Premium, nickel. Donc là j'ai eu un Golden, donc c'est un niveau 4 étoiles, donc c'est un peu mal normalement. Donc on y va. Hop. Donc personnage du hall Captain Ginyu couleur 8. Personnage du hall Sangoku Black Super Saiyan Rosé couleur 10. Je sais même pas s'il l'avait celui-là. Je pense pas. Et personnage du hall Sangoku Super Saiyan Rose 3 couleur 8. Donc et encore 3 pièces Z Premium. Donc c'est parti, on continue. Voilà. Donc 4 pièces Z Premium. Donc personnage hall Hall Rekum couleur 11, personnage du hall Captain Ginyu couleur 3, personnage du hall Sangoku Super Saiyan Blue couleur 3, personnage du hall Rekum couleur 9. Donc on continue. Hein. Bon, c'est plus... ça va être mon dernier pack après celui-là. Hop, on continue. Ah. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 Z Premium, donc pièce Z Premium, pas mal. Personnage du hall Freezer forme 1 couleur 3. Commentateur Piccolo. Ah, commentateur Piccolo. Non. Je crois qu'on peut changer les commentateurs quand vous faites les matchs en replay. Ah, nickel. Je pense que c'est ça. Hein. Allez, c'est parti, dernier pack. Après, on va aller voir les Premium Z. Donc, personnage du hall Chérizo couleur 1. Couleur perso Bou couleur 10. Personnage du hall Cell Parfait couleur 4. Et 4 Z Premium. Donc on y va, maintenant on aura les Z Premium du coup. Donc on va en avoir, je sais pas, je sais à combien déjà, je sais pas, à 100 je pense pas. Non, je sais pas assez. Donc on va en avoir 10, c'est pas grave. 10 par 10. Allez, c'est parti. Donc titre vedette, l'occasion, ouais, c'est pas terrible. Hein. Donc on continue. Billet Z 0,90, ok, c'est pas terrible. Hop. Personnage du hall Captain Ginyu couleur 1, ok. Alors, on continue, après on va aller voir tout ce que j'ai eu. Ah. Couleur perso hit couleur 8, ok. Donc nickel, ça fait une nouvelle couleur. Titre roi tyran des enfers. Donc voilà, du coup maintenant on va aller voir ce que j'ai eu. Personnalisation, personnage du hall, donc on va commencer par le bas. On va commencer par le haut, je veux dire, allez c'est parti, hop. Donc j'ai eu alors cela j'en ai pas eu. Alors Vegeta je veux dire. Donc j'ai cette couleur là, donc elle est pas mal franchement. En Super Saiyan. C'est tout je crois. Ensuite j'ai eu Sangohan Ado. Donc en cette couleur là, donc couleur 8. C'est tout je crois. Oh, ça fait rose quoi, c'est pas top. Hein. Donc 45 sur 54, il me reste plus que 11 à avoir. 11 persos normalement à débloquer. Freezer, forme finale. Ah ouais, j'ai eu cette couleur là du coup, en couleur 9. D'accord, ok. Trunks Super Saiyan. Couleur 9. Donc ça, ça fait pas mal franchement. Ça fait pas mal. C18. Couleur 10. Donc ça donne ça, hein. Ça change pas grand chose je trouve. Et la couleur 12, j'ai eu aussi. Ouais, ça change pas très beaucoup. Gotenks.
couleur 6, donc ça donne ça. Oh, c'est pas top. Krillin. Ah, ça fait un peu couleur Goku. Ouais, ça fait un peu plus couleur 3, pas mal franchement. Et la 6, j'ai eu. Donc c'est rouge et là orange. Ok. Celle parfait couleur 1, donc c'est la forme normale quoi. Donc celle-là, je l'avais pas. Et la couleur 4, j'ai eu. Et la couleur 5 aussi. Ah, ça fait pas mal. Ça fait pas mal, franchement, la couleur 1, c'est pas mal. C'est la colonne d'origine, quoi. C'est pas mal, franchement. Ensuite, Captain Ginyu, couleur 1. Donc, c'est la couleur normale. Ensuite, j'ai eu la couleur 3. Ok. Donc là, on revient à... Après, j'ai eu la 8. Et là, donc, Bou enfant, couleur 4. Donc, ça fait bizarre. Franchement. Et la couleur 7. Et la couleur 9, également, que j'avais pas... Pas mal. Gros bout. Ah, celui-là, c'est la première fois que je l'avais, je crois. Couleur 9. Ah, c'est bizarre. Ouais. C'est bizarre. Nappa. Couleur 3, ça donne ça. Ouais, c'est pas mal quand même, c'est stylé. Ok. C16. Couleur 2. Ok. Mais c'est tout, je crois. Ouais, j'ai vu que ça. Yamcha, couleur 5. Donc ça fait vert, quoi. Oh, c'est pas terrible. Sangohan adulte, couleur 7, donc ça fait un petit mauve. Couleur 8, donc un rose. C'est pas mal. C'est pas mal, pas mal. Tenshian, couleur 12. Donc voilà, ok. Pas mal aussi. Sangoku Super Saiyan Blue. Ah ouais, franchement, il est bien comme ça. Il est stylé, je trouve. Donc moi j'avais celui-là, hein, pour la précommande du jeu, on a celui-là. Et moi j'ai eu la couleur 3 là, P. Ensuite Beerus. Couleur 4. Ouais, c'est juste, ça change pas grand. La couleur 5 également. Et la couleur 11. Ok. Donc Sangoku Black Rosé en couleur. Ah, c'est, parce que sa couleur d'origine, non, je sais pas. Dites-moi, mais je me demande si c'est pas sa couleur d'origine. La couleur 10, hein. Peut-être que je me trompe. Hein. Mais elle est stylée comme ça, je trouve. Bon. Sangoku Super Saiyan 3, couleur 1. Donc c'est la couleur d'origine. Et ensuite, j'ai eu la 7 aussi en mauve. Et la 8 en rose. C'est tout. Majin Vegeta. Elle est pas mal. Elle est pas mal comme ça. Majin Vegeta en couleur 4. Pas mal, pas mal, franchement. Il déchire. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, hein, de ce que j'ai looté. Piccolo couleur 8. Donc ouais, c'est pas mal franchement avec son petit truc rouge là sur la tête. Ça change un peu de couleur, on va dire. Et c'est tout, je crois, j'ai eu que cette couleur là, ok. Golden Freezer. Est-ce que j'en ai eu? Oui, j'ai eu la couleur 9. Ouais, c'est pas mal comme ça. Stylé, je trouve. Trunk. T-shirt. Donc couleur 1, j'ai eu. Ouais, ok, normal quoi. Great Saiyaman, donc celui-là c'est la première fois que je l'avais. Donc je sais pas si vous l'avez, Great Saiyaman, mais bon, là il est vraiment stylé. Vegeta, ah pas mal, Vegeta franchement. Vegeta avec le costume de Wii, ça va franchement. Je vais le mettre. Donc modifier équipe. Personnage du haut, je continue. Donc du coup j'ai eu quoi? Jace. Couleur 3. Couleur 3, bah, je l'avais déjà. Burter, couleur 1, couleur 2. Et couleur 9 également. Pas mal de couleurs. Rekum. Couleur 9. Couleur 11. Couleur 1, bah c'est la couleur d'origine. Je pense que tout ce qui est 1, si je me demande, c'est pas les couleurs d'origine. Alors, demande si je me trompe ou pas, mais... Non, même pas, regardez. Non, non, celui-là, il n'y a pas la couleur d'origine. Guldo couleur. Donc j'ai eu la 12. La 3. Et c'est tout. C17. Couleur 9, ok. Et c'est tout. Cyberman. Ah, Cyberman, je savais même pas que j'avais eu. Chaozu, couleur 1. Ouais, je pense que... Peut-être que je me trompe, mais dites-moi, mais je me demande que les couleurs 1, je pense que c'est les clés d'origine. Couleur 4, ok. Pour Chaozu. Ok.
Ouais, je pense que les 1 c'est les couleurs d'origine. Bulma. Ah, Bulma? Je sais même pas si j'ai vu Bulma. Mister Satan. Ouais, je pense que pour moi, les couleurs 1 c'est les couleurs d'origine. Par exemple, ça aurait par exemple Vegeta, donc je peux pas la mettre. Donc je sais pas. Peut-être que je me trompe. Hein. Ah, Gotenks, on l'a pas eu celui-là. Couleur 12. Ah, il est pas mal en couleur d'ours, franchement il est claque. Ouais, je pense que c'est les couleurs. Je pense que. Dites-moi dans les commentaires, mais je pense que la couleur 1 c'est la couleur d'origine des personnages. Il y a pas la couleur 1 là, non, il y a pas. Donc là, je vais vous montrer mon petit Vegeta. Ah ouais, franchement, avec la petite tenue de Whis là. Ah, je savais même pas qu'il y avait ce personnage là aussi. C'est 21. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc dites-moi ce que vous lootez, vous, dans les... Bah, ce que vous avez comme préférence de personnage de Hall. Donc moi, j'aime bien Vegeta en tenue de Whis. J'aime bien aussi Vegeta en Super Saiyan avec le M. Et j'aime bien Goku avec sa tenue abîmée, je vous la montrerai vite fait. C'est ce que j'ai eu la dernière fois, donc personnage de Hall. Donc c'est Goku, je crois, Super Saiyan. Attendez, est-ce que je l'ai là-dedans? Non, c'est Super Saiyan. Goku Super Saiyan, attendez, faut que je le trouve déjà. C'est laquelle? Ah, je sais que c'est... Voilà, c'est ça. Son Goku Super Saiyan G déchiré, donc voilà. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis prochaine pour prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos, et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis une prochaine pour une prochaine vidéo. C'est bye bye, partout bien, peace.